work on your listening comprehension skills today as we interview a realtor who's going to talk to us a little bit about the differences between purchasing a house in France and purchasing a house in the United States. And you get to hear it in French so that you can further your learning of the language. Salut, my name is Rochelle DeMeo, your native French instructor at Belterre Academy, and I'm here with Frédéric. I'm French, I've been living in San Diego since 2002, and I'm a real estate agent. Alors Frédéric, dis-moi quelles sont des grandes différences entre acheter une maison ou un immobilier en France par rapport à l'acheter aux États-Unis. Alors la première chose, tu l'auras remarqué, quand tu viens aux États-Unis, le contrat, il sera en anglais. Donc, il faut bien parler anglais ou alors avoir un bon agent francophone qui pourra t'aider ici localement. Une des grandes différences par rapport à l'immobilier en France, c'est que quand tu achètes une maison ici à San Diego, aux États-Unis, tu n'as pas besoin de notaire. Les notaires n'existent pas. Il faut que tu cherches un agent immobilier. Et cet agent immobilier, ce qu'il va faire, il a accès à tous les biens qui sont en vente ici aux États-Unis. Donc tu n'as pas besoin de courir d'agence à agence. Tu vas à un agent immobilier. Entre l'offre d'achat et la remise des clés, il ne s'écoule seulement que 30 jours. En France, des fois, ça met plus de 3 mois. Ici, c'est que 30 jours. Une autre chose qui est sympa, c'est qu'ici aux États-Unis, on ne paie pas de taxes d'habitation. Tous les frais d'agence aussi ne sont qu'à la charge du vendeur. L'acheteur n'a pas à payer de frais d'agence. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais l'acheteur doit payer les inspections. Toutes les inspections de la maison sont à la charge de l'acheteur. Une autre chose qui est cool ici aux États-Unis, c'est que toutes les signatures se font électroniquement, sauf une. Et si vous êtes en France, elle peut se faire à l'ambassade américaine. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les charges, par exemple, quand vous êtes propriétaire aussi, les charges, toutes les charges de maintenance de la maison sont déductibles d'impôts. Donc vous pouvez les déduire de l'impôt sur le revenu. Et ensuite, la dernière différence, c'est que vous pouvez déprécier la valeur de votre bien immobilier sur 27 ans et demi. Donc sur 27 ans et demi, vous pouvez déprécier la valeur du bien, ce qui fait que ça vous réduit l'impôt sur le revenu. Et je crois que tu avais une question sur les prêts immobiliers. Oui. Ok, alors, avant de parler de prêts, Frédéric, j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, si vous trouvez cette vidéo utile, eh bien, donnez un petit pouce et soutenez la chaîne. Frédéric, parle-nous un petit peu comment ça fonctionne pour tout ce qui est prêt. Alors pour les prêts immobiliers, c'est possible pour un Français qui vient aux États-Unis. C'est au cas par cas. Donc les prêts immobiliers ici, aux États-Unis, c'est 30% pour un Français qui peut venir avec un apport de 30% de la valeur du bien. Et en général, pour les Français ou les Américains, le prêt se fait sur 30 ans à taux fixe. Et une autre différence avec le marché français, c'est que quand je vais vous faire visiter une maison, avec mon téléphone, je peux ouvrir n'importe quelle maison sur San Diego. C'est incroyable. Qu'il soit de mon agence ou pas de mon agence, donc ça fait gagner énormément de temps. Super. Super, n'est-ce pas? Oui. Alors Frédéric, dernière petite question, c'est pour un élève qui aimerait vraiment passer sa retraite en France, mais il est américain et il ne sait pas comment faire. Quel conseil aurais-tu? Mais le premier conseil que je lui donnerais, c'est que par exemple, tu lui enseignes à faire la bise, parce qu'en France, il faut faire la bise. Donc c'est la vrai. Bise se fait comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, parce que plus on va vers le sud de la France, et plus il y a de bise. C'est vrai. Pour un Américain, c'est possible de pouvoir acheter en France ou ça fonctionne comment? Oui, le meilleur conseil que je vous donnerai, c'est que quand vous allez en France, vous preniez un agent immobilier qui parle anglais, comme ça il pourra vraiment vous expliquer les différences. Et vous pouvez me contacter, j'ai un gros réseau d'agents immobiliers, que ce soit ici aux États-Unis ou en France, et je pourrai vous aider à trouver le parfait agent immobilier. Alors merci Frédéric, ces coordonnées figurent dans la description de la vidéo ci-dessous. If you like this video, make sure you subscribe to the channel. Give it a thumbs up for Frédéric, and his contact information is listed in the description of the video. Join us next week for another conversation in French working on your listening comprehension skills. À bientôt les amis. Au revoir.